Bonjour à tous les amis et bienvenue pour un nouvel épisode d'Handisport Go. Aujourd'hui, je suis à la place Chute de Mimizan pour aller à la découverte du Wave Ski, une pratique accessible pour les personnes en situation de handicap. Un mélange entre le canoë et le surf. Ça va être super. Allez, je m'en vais en buggy. Comment ça marche ça? Tic tic tic. Allez, laisse-moi faire. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Je me fais cardiaquer les amis. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon les amis, on est arrivé à la cabane de All Water et là il y a Julien qui vient m'accueillir. Salut Tanguy. Salut Julien. Bienvenue. Merci. Merci de m'accueillir ici à la cabane de All Water. Ouais, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille. Alors, on va faire du wave ski aujourd'hui. Exactement. C'est un temps idéal, il fait super beau. On a prévu le soleil bien sûr, hein, comme d'hab. C'est ça, je suis un rayon de soleil, tu le sauras. Alors, explique-moi un petit peu le concept de Handi Wave Ski. Comment ce sport est accessible pour les personnes en situation de handicap? Alors l'idée c'est en fait, si tu veux, on a un kayak qu'on utilise pour aller s'amuser dans les vagues, et avec un peu d'adaptation on a réussi à monter du matériel qui est adapté pour justement amener les personnes amener les personnes handi pour prendre les vagues, pour rigoler et pour échanger. Et voilà, et surtout pour surfer, avoir des sensations et rigoler au taquet quoi. Bon, assez parlé, on y va Julien? Allez, c'est parti. Je me suis mis sur mon plus beau profil, tablette de chocolat et tout, pour vous. Ok, donc là, si tu veux, Tanguy, on va utiliser ce type de planche. Donc ça s'appelle un tandem. Donc ça, c'est des monoplaces, tu vois, il y a trois tailles différentes. Et nous, on va utiliser le deux places, tandem. Donc on va partir tous les deux. Moi, je vais être à l'arrière et toi, tu seras assis devant moi. Tu seras la figure de proue de l'embarcation. Donc c'est important que tu gardes le sourire tout le temps. Hein. Écoute, je vais m'éclater, je vais garder le sourire. Et par contre, t'as intérêt à me garder jusqu'au bout sur ce siège. Je vais essayer, je vais essayer. T'as intérêt, hein. C'est toi le pro. Allez, c'est parti. Ok Tanguy, donc là ce qui va te manquer c'est la pagaie. La pagaie. Moi je serai pour donc. T'assommer. Exactement. Non, peut-être pas. Hein. Peut-être pas, non. C'est toi le pilote. Hein. C'est ça, exactement. Et du coup on va passer comme ça les vagues et après on va aller les surfer tous les deux sur la vague et on va faire des mouvements comme ça et tu vas voir, ça va être des sensations au taquet. Des mouvements des 360 et tout? Le 360 on peut essayer. Et ben on va se régaler les amis. Vous allez voir, c'est une pratique accessible. La preuve en image. On était là, sur la plage, là on est installé, il y a l'hippocampe, c'est accessible pour les personnes en situation de handicap et vous allez prendre du plaisir. On y va Julien? Allez, c'est parti, hippocampe. Là c'est vraiment un super outil, tu vois. Un super outil pour les fainéants. Là je te lâche, si je te lâche, t'arrives direct dans l'eau là. C'est parti. Allez, salut Tanguy. Ouh, elle est chaude, Julien il s'est foutu de moi. Hein. Elle est pas si chaude que ça. Hein. Ok Tanguy, alors comment t'as vécu cette première session de ski? Eh ben Julien, je vais te dire juste waouh. C'était extraordinaire. Bon, j'en ai pris un peu plein la figure. C'est sûr que voilà, quand les vagues cassent, c'est très physique. Mais au-delà de ça, on oublie le côté handicap. Il y a l'élément qui est la mer. Et tu fais qu'un avec la mer. Et je trouve ça juste... Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est-à-dire qu'on oublie, on oublie un instant le handicap de tous les jours, qui est une galère en soi. Hein. C'est vrai que moi, marcher dans le sable, c'est la galère. Voilà, quand tu marches toute la journée, c'est une fatigue récurrente. Et là, c'est une bonne fatigue, quoi. On a le sport, mais on a aussi l'instant et le moment où c'est l'éclat, quoi, et la joie. Et puis, tu me le rends bien aussi, parce que tu m'as accompagné, tu m'as donné de la confiance, tu m'as rassuré et tu m'as fait kiffer l'instant. Et merci. Merci à All Water pour cet après-midi. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte justement d'accompagner des personnes en situation de handicap comme aujourd'hui? Comme tu le dis bien, je pense que ça permet de découvrir un milieu qui est,
qui est vraiment accessible pour les personnes en situation de handicap. Là, on se retrouve dans un milieu qui est complètement nouveau et qui est vraiment accompagné, qui est vraiment accessible et qu'on arrive à se retrouver, à comprendre comment ça fonctionne, les vagues, et à ressentir tout ça. Et c'est assez... je pense que c'est riche et fort en sensations, en émotions. T'as des jeunes, des personnes qui te disent « Merci Julien de m'avoir fait découvrir ce sport. Merci Julien de m'avoir donné ce moment de plaisir, de partage, de bonheur. » Je pense que oui, il y en a tous les ans. Il y a pas mal de gens qui passent à la cabane, qui découvrent cette activité et qui se rendent compte que c'est vraiment accessible, qu'ils peuvent le continuer à pratiquer, à progresser, se sentir progresser aussi dans une activité. Et donc oui, ils sont contents. Ils ont commencé en tandem et aujourd'hui, ils se déplacent tout seuls, ils peuvent prendre des vagues tout seuls, ils ont leur propre matériel. Tu vois, là, c'est génial. Donc, trois mots pour le Andy Waveski, c'est l'autonomie, l'accessibilité et le plaisir. Et surtout le plaisir. Bon les amis, il est temps pour moi de quitter cette magnifique plage de Mimizan. J'ai passé un excellent moment avec toute la team de All Water. Je les remercie pour leur accueil. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode d'Andy Sport Go. Salut Andy Sport Go.